Bienvenue à Bellegarde dans l'Ain, une gare qui est une véritable carte postale. Voyez le décor, quatre voies à quai. Et s'il vous plaît, en courbe, une gare, je voudrais dire, classée monument historique, puisque nous fêtons aujourd'hui les 150 ans de l'arrivée du chemin de fer à Bellegarde. Et pourquoi sommes-nous ici? Parce qu'également, cette gare est en travaux, subit une véritable mutation. Autrement dit, on la met à l'heure du TGV, et oui, à l'aide d'un nouveau viaduc qui va faire un raccordement direct avec la ligne que l'on appelle des Carpates, c'est-à-dire du Haut-Bugey. On va vous expliquer tout cela. Eh bien, on va raccourcir la durée du trajet entre Genève et Paris. C'est Paris-Genève en seulement 3 heures. Vous voyez le progrès. Et donc, le TGV que vous voyez ici, qui emprunte cette voie-là, eh bien, à la mi-2010, ça sera terminé. On se raccordera directement. Voilà, donc un spécial relation franco-suisse. Donc, Bellegarde, si vous voulez, c'est une véritable carte postale. Je vous rappelle que ça fait 150 ans que le chemin de fer est arrivé à Bellegarde, que Bellegarde, c'est une figure mythique, c'est quasiment un monument historique, c'est notre coup de cœur. Vous voyez, avec ses voies en courbe, ses magnifiques marquises, son bâtiment voyageur, dont le toit a brûlé en 2003 et qui, fort heureusement, a été refait, mais un bâtiment qui, fort heureusement, va être sauvegardé. Et puis Bellegarde, c'est également, vous voyez, cette très longue passerelle qui enjambe les voies. C'est pas du style Art déco, mais c'est plutôt du style Gustave Eiffel. Mais cette gare de Bellegarde est en pleine mutation. Elle est le siège de très importants travaux. Pourquoi? Parce qu'on va améliorer les relations entre la France et la Suisse, et on va mettre Genève à seulement 3 heures de Paris, en empruntant une nouvelle ligne, ou plutôt en réhabilitant, en remettant au service ce qu'on appelle la ligne du Haut-Bugey, la ligne des Carpates. On vous expliquera ça tout à l'heure. Et quand je vous disais que Bellegarde est en pleine mutation, regardez bien l'importance de ce chantier avec ses travaux. Par exemple, vous voyez, on fait là-bas un viaduc, que l'on ira voir tout à l'heure, et qui va permettre un raccordement direct de la ligne en provenance de Genève, la Suisse est là-bas, à une trentaine de kilomètres, pour se raccorder directement avec la ligne du Haut-Bugey qui démarre ici, qui démarrait ici dans la gare et en plan incliné partait à l'assaut du Jura. Et oui, les relations entre la France et la Suisse furent toujours assez mouvementées, délicates sur le plan politique, mais également difficiles sur le plan géologique. Et oui, le Jura, ce n'est pas les Alpes, et vous allez le voir à l'aide d'une maquette, vous allez comprendre qu'il était très difficile, et il reste toujours très difficile, de franchir le Jura. Suivez-moi. Donc, petit retour en arrière, c'est une histoire qui a débuté il y a 200 millions d'années. Tiens, 200 millions d'années? Mais oui, c'est le début d'une période géologique qu'on appelle le Jurassique, d'où le nom, bien entendu, de Jura. Donc, il y a 200 millions d'années, ici, eh bien, il n'y avait qu'une grande plaine. Et cette plaine, la mer l'a envahie durant 65 millions d'années. Et qui dit mer, dit sédiments. Au fond, les argiles, c'est-à-dire l'état ultime de la désagrégation des roches, au-dessus des couches de calcaire dues, vous savez, à ces micro-organismes dont les coquilles se déposent. Bref, tout ceci s'est sédimenté pendant 65 millions d'années. Et en 65 millions d'années, d'un seul coup, tout le continent a remonté, s'est trouvé à l'air libre. La mer a disparu et l'érosion a commencé à faire son effet et à sculpter le relief. Mais tout serait bien passé, sauf que...
Eh bien, il y a à peu près 20 millions d'années, d'un seul coup, on a senti la poussée alpine. C'est-à-dire, vous savez, l'Afrique remonte vers l'Europe, c'est le jeu des plaques, et puis l'Italie s'enfonce comme dans un coin dans la plaque et repousse ses sédiments. Et ces sédiments du Jurassique, eh bien, qui s'est entreposé, ces sédiments se sont trouvés poussés par les Alpes et puis bloqués par les Vosges et puis le Massif central. Et qu'est-ce qu'on fait, les sédiments? Ben, les sédiments se sont en quelque sorte plissés, d'où ces structures de relief caractéristiques du Jura avec des plis et puis même parfois des plis qui sont couchés. Et le plus beau de ces plis, eh bien, c'est ce qu'on appelle le chapeau de gendarme. Et bien entendu, la mer s'est retirée, l'érosion a fait son effet et donne ces structures caractéristiques où on trouve tous les types de reliefs dans le Jura. Alors sur cette maquette, eh bien, on vous l'a reproduit. Vous retrouvez donc des plis, vous retrouvez des plateaux élevés, puis en pente douce et qui descendent jusqu'à la Bresse. Là, c'est la Suisse, c'est le lac de Genève, là, c'est la Bresse. Mais l'érosion a sculpté ce relief. Regardez, sur un plateau, quand la rivière grignote le plateau, elle le grignote en reculant, ce qui donne ces structures qu'on appelle en reculé et qui forment en quelque sorte des cirques avec des abrupts de calcaire infranchissables. C'est un véritable cirque. Et le plus célèbre, eh bien, c'est celui que l'on trouve à Baume, les Messieurs. Mais également, l'érosion au sommet, voyez, d'un pli, eh bien, ça donne ce qu'on appelle des craies. Il reste les deux parois de calcaire. Autrement dit, vous avez une vallée avec deux magnifiques parois de calcaire. Et puis enfin, peut-être la plus intéressante pour nous, regardez. Et là, on remercie Dame Nature. Comme ces vallées sont infranchissables, ces plis sont infranchissables, eh bien, lorsqu'une rivière érode un pli de façon perpendiculaire, ça forme ce qu'on appelle une cluse. Ça permet à la rivière de passer, mais ça permet également à la route, aux hommes et aux chemins de fer de l'emprunter. Donc, le Jura est un massif quasiment infranchissable. Et voilà pourquoi il n'y a eu que 5 points pour le traverser entre la France et la Suisse. Ben, le premier au nord, par la vallée du Rhin, au sud, par la vallée du Rhône, et là, ils ont été obligés déjà de franchir une cluse. C'est la ligne qu'emprunte actuellement le TGV, quand il va de Bourg, en passant par Ambérieu-Culos et remontant à Bellegarde. Et puis, quand on tape dans le Jura de façon perpendiculaire, eh bien, là aussi, vous trouvez des cluses. Eh bien, la ligne du Haut-Bugey, c'est-à-dire la ligne droite entre Bourg et Genève, que l'on va emprunter maintenant avec le TGV, elle passe par la cluse de Nantua. Puis on trouve également un autre passage au niveau de Dôle-Valorbe, vous savez, la ligne célèbre qui fait Paris-Lausanne, et puis un autre au niveau de Besançon. Voilà donc un obstacle qui était quasiment infranchissable et qui a freiné considérablement les relations entre la France et la Suisse. Donc, revenons au sujet de ce DVD, c'est-à-dire la nouvelle ligne TGV entre Paris et Genève et qui emprunte la ligne du Haut-Bugey. La ligne du Haut-Bugey, la voici. Vous la voyez là-bas. On voit le bout de plateforme, la courbe derrière le camion bleu. Ou du moins, c'est ce qui reste de la plateforme, parce que le reste a disparu sous les travaux. On va vous expliquer cela. Donc, je résume. Si on veut améliorer la desserte entre Lyon et Genève, enfin Paris et Genève, c'est-à-dire faire 3 heures, il fallait prendre le chemin le plus court. Et quel est le chemin le plus court entre Bourg-en-Bresse et Genève? Ben, c'est la ligne droite. Mais qui dit ligne droite, eh bien dit, il faut traverser le sud du Jura, avec les difficultés géologiques que vous connaissez. Donc une ligne magnifique, mais une ligne avec de très nombreux ouvrages d'art. Il y a des ponts, des viaducs, allez, le viaduc sur l'Ain de Cisbolozon qui était détruit pendant la guerre et qu'on a reconstruit, des tunnels. Et de fait, cette ligne, pour la réactiver, il a fallu la mettre à nouveau au gabarit, mais cette fois-ci en traction électrique. Donc, reprise de la plateforme, électrification en 27 000 volts, qui suppose des caténaires, l'alimentation électrique, nouvelle signalisation. Qui dit nouvelle signalisation, la voie unique du gestion avec un nouveau poste qui va se trouver ici à Bellegarde, qui est en cours de construction. Bref, énormément de travaux, les travaux de consolidation des murs, le problème aussi, il y a beaucoup d'eau, donc il fallait régler tous ces problèmes d'évacuation des eaux. Mais tout ceci est en route, avec beaucoup de difficultés, et la fin des travaux est prévue pour fin 2010. Donc, la ligne va arriver là. Et avant, elle se raccordait là-bas, à l'ancienne gare, et bien cette fois-ci, on va faire un raccord direct avec la voie en provenance de Genève. Vous voyez, c'est cette grande courbe, c'est ce viaduc. On fait le raccordement entre la ligne en provenance de Genève, là, la Suisse c'est par là-bas, c'est à 35 km, la voie ferrée TGV passera sur le viaduc et partira dans cette direction et viendra se raccorder sur la ligne du Haut-Bugey en direction de
Bourg-en-Bresse et puis bien entendu de Paris. Et je vous le dis, le gain, c'est tout de même une vingtaine de minutes, c'est Paris-Genève en seulement 3 heures. Vous imaginez bien qu'il va y avoir un transfert de clientèle de l'avion, bien entendu, vers le chemin de fer. Un petit détail encore, vous voyez que ce viaduc va permettre la circulation routière. À la place de la grande grue, on va édifier une nouvelle gare qui va être bio-énergétique en forme de dôme. On y reviendra le jour de l'inauguration. Et puis enfin, là, sur le viaduc, sur cette plateforme, en pente de 25 pour 1000, eh bien, on va édifier la nouvelle gare TGV. Ce qui tout de même risque de poser des problèmes lorsqu'il va neiger avec une pente de 25 pour 1000. Donc, ce DVD est consacré aux relations ferroviaires très riches en histoire entre la France et la Suisse. Dans ce DVD, un film et 4 bonus. Le film, eh bien, ce sont les liaisons Lyon-Genève, leur histoire, de magnifiques images. C'est un film suisse et on tient à les en remercier et à les féliciter. 4 bonus. Le premier bonus, les 150 ans de la liaison Lausanne-Genève, autrement dit, le contournement du lac de Genève par le nord. Magnifique Suisse. Deuxième bonus, comment ça marche? Comment ça marche? Eh bien, comment les Suisses ont résolu le problème d'attaquer le Jura? Un exemple, le magnifique petit train rouge, c'est celui qui fait Nyons, c'est-à-dire au lac Léman, Saint-Sergue, et qui va jusqu'à la station des Rousses. Mais de l'autre côté, côté français, il y avait un tramway qui partait de Morette et qui allait justement à la station des Rousses. Mais hélas, on a supprimé l'exploitation, on peut le regretter, peut-être espérer un jour que ça revienne. Troisième bonus, le matériel, regardez, ça s'appelle la flèche rouge. Ce sont des automotrices suisses rouges, caractéristiques avec leurs deux gros capots comme des autorails d'antan et qui ont été mis et conçus spécialement pour desservir les stations du Jura. Enfin, quatrième bonus, un homme à métier, et oui, le président de l'association Sauvons la ligne du Tonkin. Il s'agit de Benoît Grand-Colo. Bonjour. J'ai très envie de vous raconter l'histoire d'un train pas tout à fait comme les autres. Ça vous tente? C'est juste à côté. Vous me suivez? Voilà, c'est de ce train-là que j'ai envie de vous parler. L'histoire d'un train suisse qui roulait sur voie française. Une histoire au goût de la Last Journée, un dernier voyage. Vous allez comprendre pourquoi. Tout commença un certain jour de 1858, c'était le mois de mars. Allez là-bas.
Je vous propose de commencer par une image toute helvétique. Un coup de balai, un coup de plumeau, on vide les cendriers et on remplit les réservoirs. Maintenant, nous sommes fin prêts à rouler sur les rails de l'histoire du deuxième raccordement ferroviaire franco-suisse. L'histoire ferroviaire genevoise n'est qu'un long parcours de déboires et d'efforts politiques qui furent souvent des causes perdues d'avance. Et si Genève, le siècle dernier, fut reliée ferroviairement en premier à la France, c'est néanmoins avec celle-ci qu'elle eut bien des déceptions. Pourtant, les idées ne manquaient pas. Tunnel de la Faucille, raccordement encore à Vanville, ligne du Simplon, et aujourd'hui encore, le raccordement TGV. Mais le cas qui nous occupe aujourd'hui est, lui, une histoire bien réelle. La ligne du chemin de fer, Lyon-Genève. Milieu du 19e siècle, la France construisit à tout va des lignes ferroviaires. L'essentiel d'entre elles convergeait sur Paris, en un mot, la pleine extension. Mais les grandes compagnies comprirent très vite qu'il fallait d'autres affluents pour alimenter leurs grandes lignes en direction de la capitale. À Genève, c'est le 20 novembre 1844 que s'entamèrent les premières discussions sérieuses pour définir la meilleure manière de relier par le train cette ville à la France. Ce jour-là, on décida de lancer une commission d'enquête pour établir éventuellement une ligne ferroviaire de la cité de Calvin à Lyon, poumon économique du bassin rhodanien. Directement en octobre 1852. Après de nombreuses séances, parfois houleuses, du Conseil d'État genevois, les principaux protagonistes signèrent enfin une convention entre l'État de Genève et la Compagnie du Lyon-Genève pour l'octroi d'une concession franco-suisse à une ligne ferroviaire à double voie reliant Genève-Lyon via le lieu-dit La Plaine. Concession qui fut ratifiée à Paris le 8 janvier 1853. En première étude, la ligne devait passer en territoire genevois par la région de la Champagne avec une gare prévue aux environs de la place de Rive. Mais très vite, certains des principaux acteurs de ce projet ne l'entendirent pas de cette oreille. Citons parmi eux James Fazzi, conseiller d'État, le général Henri Dufour, le banquier Christian Kohler et François Barthélemy, banquier et président de la compagnie Paris-Orléans. Ces hommes, malgré leur qualité de grands visionnaires, pensaient avant tout à servir leurs propres intérêts économiques. Et c'est tout naturellement que le tracé définitif genevois reliait la plaine à Genève par le Mandement, le Bas de Russin, et Satigny. Satigny où le 23 janvier 1854 fut donné le premier coup de pioche en grande pompe. Demeurait pourtant le souci du lieu d'implantation de la gare de Genève, le haut de la Servette, puis à Cornu. Si la ligne fut construite en un temps record, la Société du Lyon-Genève en avril 1857, quant à elle, fut engloutie plus vite encore par la compagnie du PLM Paris-Lyon-Méditerranée. Le 15 octobre 1857, le premier train d'essai pouvait rouler de Bellegarde à Genève. La cité de Calvin était enfin reliée aux villes de Paris, Lyon, Marseille par le chemin de fer.
Le 16 mars 1858, journée de pluie et de brouillard, fut organisée non pas une inauguration officielle, mais une fête pour la reconnaissance de l'ouverture de la ligne. En effet, en ces temps difficiles, Berne et Paris, sur le plan politique, ne s'ouvraient pas une grande amitié. Les autorités françaises ne répondirent pas à l'invitation du canton de Genève. Pourtant, un train spécial vint de la capitale pour fêter l'événement. Il fut en effet prévu deux trains spéciaux d'invités d'honneur tractés l'un par la locomotive La Versoix en provenance de Bellegarde et l'autre la Petite Genève et la Salange venant lui de la ville de Genève avec le Conseil d'État incorporé. Tous se retrouvèrent à midi en gare de la Plaine pour vivre un gigantesque pique-nique sous tente. Le soir, tous les invités officiels se rassemblèrent pour un dîner de gala au Métropole, le grand palace de la ville, avec allocution, discours d'usage et feux d'artifice sur le lac. Le 18 mars, sitôt la ligne ouverte aux voyageurs, la colère des énormes retards pris par les trains en provenance de France monta ostensiblement. Ces problèmes furent réglés dans les semaines qui suivirent. Le 31 décembre 1912, à midi, à la suite de la convention signée à Berne le 7 mai de la même année, les CFF allaient reprendre au PLM l'exploitation de la partie suisse de la ligne Lyon-Genève, ainsi que les infrastructures, dont la gare Cornavin. Le rachat fut fait dans des conditions difficiles après diverses négociations entre le PLM et la France et le canton de Genève pour la Confédération. Les raisons politiques de cette reprise étaient multiples. Entre autres, à cette époque, des menaces de grève importantes de la part des employés du PLM menaçait dangereusement l'équilibre ferroviaire genevois. Néanmoins, la passation de pouvoir se déroula sans problème majeur. Rappelons ici que la première gare PLM fut détruite par un énorme incendie le 11 février 1909. Mais les pages de l'histoire devaient tourner très vite. Le 1er avril 1934, on inaugurait la nouvelle gare de Cornavin, telle que nous la connaissons aujourd'hui, sobre et fonctionnelle. Celle signée en 1912 avec le PLM et en janvier 1938 avec la SNCF, le roulement des trains resterait français jusqu'à Cornavin. Seul le train omnibus de la Plaine devait être entièrement exploité par les CFR. C'est ainsi que cette ligne allait devenir la grande particularité du réseau ferré suisse.
Quelques années après l'ouverture de la ligne Genève-Lyon, le petit lieu-dit La Plaine à la frontière franco-suisse connaissait un regain d'intérêt pour une certaine industrie. Près du Rhône, les industriels de la chimie trouvaient le lieu rêvé pour y installer de nouvelles usines. Ce choix fut fait pour la simple raison qu'à cette époque, la Suisse n'avait aucune législation en matière de droit. Parmi les industriels lyonnais qui jetèrent leur dévolu sur le site de la Plaine, il faut citer le chimiste Prosper Monnet, qui construisit lui aussi en 1860 une usine. Et c'est comme ça que naissait, là, dans ce petit village frontalier inconnu quasiment de tous, l'un des plus grands holdings du monde de la pétrochimie, Rhône-Poulenc. À la Plaine, au cœur du petit village, les usines chimiques tournaient à plein rendement, avec parfois plus de 500 employés. Elles fabriquaient essentiellement des couleurs, ce qui valait aux employés de la plus célèbre d'entre elles, la Fuxine, le surnom de Peau Rouge. Le 7 juillet 1884, la Suisse adhérait à la Convention de Paris sur les brevets. Ce fut la fin du développement prestigieux des usines chimiques de la Plaine. Le coup de grâce tombait dans les années 30, avec la fermeture définitive des usines Rhône-Poulenc. Après la Deuxième Guerre mondiale, les usines désaffectées furent la proie des explosifs de l'armée suisse. Aujourd'hui, seule demeure à la Plaine, pour symboliser le glorieux passé industriel du village, l'entreprise genevoise Firmenich. Dépêche-toi!
La guerre éclatait en 1939. La guerre de la plaine joua encore un rôle non négligeable durant les hostilités de 1940 à 1943. Pour marquer sa neutralité, la Confédération signait avec le Troisième Reich un accord qui fit de la plaine le seul point de passage entre la Suisse et la France occupée. Deux trains par jour passaient la frontière, dont certains étaient tractés par des locomotives suisses jusqu'à Ambérieu. Les Allemands prirent donc possession des divers locaux disponibles dans la gare pour y installer leur administration. Le personnel de la gare travaillait apparemment sans trop d'état d'âme avec les douaniers militaires de l'armée occupante. Un strict minimum de relations existait entre eux, et ce pour le bon déroulement du transit des marchandises. On construisit aussi à la plaine des baraquements pour accueillir des internés militaires qui venaient essentiellement des pays de l'Est. Puis ces camps servirent à la fin de la guerre au transit des prisonniers espagnols. Selon la presse de l'époque, des résistants avaient, par méprise, pris d'assaut en gare de Chambéry le 16 juin 1945 le train de ses ressortissants, croyant qu'il s'agissait de volontaires qui avaient combattu aux côtés des Allemands. Il s'ensuivit un grave incident qui blessa un grand nombre d'entre eux. Si à la fin de la guerre, le service voyageur reprit à nouveau ses droits entre Bellegarde et Genève avec la suppression définitive du service omnibus du côté de la SNCF, Walter Hofer, photographe genevois, quant à lui, a su merveilleusement immortaliser cette période. Les rames de la plaine furent construites dans les années 50 par les ateliers de la SLM à Winterthur et ceux de Sécheron de Genève pour la partie électrique. Prototype est prévu pour le réseau électrique français, 1500 volts continu, ces rames connurent tout au long de leur existence de multiples pannes en tout genre. Ce qui leur valait de fréquents allers-retours à leur atelier CFF d'attache de Zurich ou à l'atelier de Genève, comme ici à l'image, pour de petits contrôles hebdomadaires. Tous ces ennuis devenaient de véritables casse-têtes et n'arrangeaient en rien les affaires de l'exploitation de la gare de Cornavin. Dans le début des années 80, au plus fort des problèmes, il fallait trouver une solution de rechange pour tracter les trains de la plaine. La location d'une locomotive à la SNCF revenait trop cher. Le service de la traction de la direction 1 à Lausanne créa la fameuse rame Western et pour le chauffage en collaboration avec les ateliers d'Yverdon, la voiture Girafe qui comporte des composants électriques de la défunte locomotive tricourant AE463.
Comme vous pouvez le constater, la configuration de la rame western ou autre ne manquait pas de variété et la ligne d'originalité. Dans les années 50, la direction de la SNCF à Paris prit la décision d'électrifier l'étoile d'Ambérieux. La section Bellegarde de Genève sera l'aboutissement de l'électrification en 1500 volts continu de Paris-Genève et Lyon-Genève. Le 27 septembre 1956 est à nouveau une date importante pour la ligne. Français et Suisses se retrouvèrent à nouveau à Genève pour fêter l'événement. Les derniers trains à vapeur ainsi que les rames suisses tractées par la célèbre AM1001 allaient disparaître pour laisser la place à la traction électrique. En ce mois de septembre 1956, un sérieux soulagement se faisait sentir parmi le personnel des CFF et surtout celui des riverains. Avec cet important changement, c'était aussi l'ensemble de la sécurité ferroviaire qui était remplacée. De la plaine à Cornavin, la signalisation devenait suisse tout en restant dans une configuration SNCF et le système d'annonce des trains français Jousselin laissa la place au système suisse Integra.
Laissons là les commentaires et vivons encore un peu les derniers instants de ce train pas comme les autres. Un train suisse qui roulait sur voie française.
Belinsky ou quoi? Hein? Vous êtes toujours là? Voilà, c'est la fin de mon histoire. Demain, le métro reprendra ses droits, et d'autres pages de l'histoire tourneront encore. Enfin. Allez, bonsoir. Thank you.
La RE 460-003, baptisée le milieu du monde, est en position de départ sur la voie 1 de la gare de Brigue. Notre locomotive est à la tête d'un convoi Eurocity en provenance de la capitale lombarde vers Genève. Ce train roulera le long de la vallée du Rhône avec des pointes à 160 km/h. Après 115 km, le convoi arrivera à la hauteur du début du lac Léman. Dès cet instant, Elitrain numéro 2 vous présentera la ligne la plus attractive du bassin limanique qui, de Villeneuve, aboutit à la cité de Calvin, via Lausanne. La gare de Lausanne est la plus grande plaque tournante ferroviaire de Suisse romande. Elle offre une quantité non négligeable de correspondances pour tout le territoire helvétique, pour Paris, ainsi que pour Milan. Hasard de l'horaire, parfois l'Intercity de Zurich entre en gare en même temps que celui de Brigue. C'est en 1856 que le premier train quittait cette gare pour se diriger vers la bourgade de Ronan. C'est à Lausanne que fut construite la première ligne de métro en Suisse, Lausanne-Ouchy. Sous le joli nom de la Ficelle, cette ligne à voie normale et à crémaillère vous transporte des bords du Léman au sommet de la place du Flon, cœur de la ville. Plus haut encore se trouve le point de départ de Lausanne-Échallon-Bercher, l'Ebbe, long de 23 km. Cette ligne à voie étroite fut inaugurée en 1873. Aujourd'hui, le Leb devient de plus en plus un train de banlieue. Avec ses 130 000 habitants, la capitale vaudoise est aussi le siège du comité olympique. À Ronan se trouve la bifurcation des destinations de Genève et de Vallorbe-Yverdon par Bussigny. Il faut savoir que depuis quelques années déjà, les trains Intercity à destination de Zurich ou de Genève via les pieds du Jura ne passent plus par Lausanne. Cette gare reçoit aussi le terminus du RER lausannois, le Zoll.
La navette urbaine ferroviaire relie le centre-ville de Lausanne à Renan, en passant par les grandes écoles polytechniques et universitaires. Après les multiples aiguillages de bifurcation, s'annonce la plus grande gare de triage de Suisse romande, d'Ange. Cette énorme installation fut construite au début des années 70 pour faire face au boom économique qu'allait connaître l'ensemble de l'Europe occidentale.
Nyon, petite ville au cachet touristique indéniable, vit sans mal aux portes de Genève. Bercée au rythme des saisons, la cité romaine et son château se dessinent fièrement sur les rives du petit lac. La place de la gare est le point de départ du non moins célèbre petit train rouge, le NSTCM, Nyon-Saint-Sergue-la-Cure-Moret, qui fut mis en service en 1916. La ligne de 27 km s'attaque sur les flancs du Jura à des pentes de 60 pour 1000, et ce, sans crémaillère. De 1921 à 1958, ce délicieux chemin de fer parcourait le pays jurassien bien au-delà de la frontière française. Le terminus en son temps se trouvait au cœur de la ville de Moret. Céligny, enclave genevoise. C'est ici que fut ouvert le dernier tronçon de la ligne Genève-Lausanne, le 25 juin 1858. Les travaux d'installation de la deuxième voie, quant à elle, furent terminés dans l'année 1872. En ce qui concerne l'électrification, les premiers trains ont pu circuler dès le 22 décembre 1925 au matin. Dans ces années-là, cette ligne était essentiellement parcourue par des trains voyageurs. On pouvait alors compter entre 16 et 18 trains rapides et 24 régionaux qui circulaient quotidiennement dans les deux sens.
Si la gare de Genève-Cornavin, reconstruite en 1934, point frontière avec le réseau SNCF, fut longtemps le terminus du réseau ferré suisse, hormis la petite escapade du train de la Plaine, il en est tout autrement aujourd'hui. Le 31 mai 1987, Genève inaugurait en grande pompe 6 km de voie qui reportait enfin le terminus à l'aéroport de Cointrin. Construit en forme de boucle, ce terminus permettrait aux trains de reprendre allègrement leur chemin en direction de Coppet, profitant ainsi de la mise en place de la tant attendue troisième voie entre Genève et Lausanne. Mais ceci est une autre chanson. La frilosité en matière de politique de transport ferroviaire n'est toujours pas légende dans nos contrées. Quel drôle de chemin de fer qu'est le Nyon Saint-Cergue la Cure Moret. Vraiment un train pas comme les autres. Le petit train rouge, comme aiment à l'appeler affectueusement les jeunes voix. Il faut savoir que cette ligne, depuis longtemps, est celle de leur promenade du week-end. En effet, Genève est le seul canton suisse à n'avoir jamais eu de chemin de fer touristique, hormis les lignes de tramway de campagne. Ce chemin de fer vicinal cache pourtant une histoire mouvementée, presque à la hauteur d'une ligne internationale. Mais, me direz-vous, c'est une ligne internationale. Et oui, le NSTCM fut construit dans la même optique que ses grandes consoeurs, avec moult traités franco-suisses paraffés par de grandes signatures fédérales et présidentielles. Mais auparavant, jetons un rapide coup d'œil sur cette petite cité romaine qui est le point de départ de notre sujet qui nous occupe aujourd'hui. Nyon, la petite ville lémanique aux mille facettes. Rappelons d'abord que c'est 400 ans avant Jésus-Christ que des hommes s'installèrent pour la première fois sur la colline de Nyon. Et que 1000 ans auparavant, période des lacustres, déjà la vie plus ou moins organisée existait dans le secteur. La conquête romaine ne fit que confirmer la présence permanente des habitants avec la construction quasi certaine d'un port d'importance. Aujourd'hui restent les fameuses colonnes connues de tous dans l'espace des Marronniers, non loin de la Porte Sainte-Marie. Justement fortifié au Moyen-Âge, le bourg de Rive, comme la ville du Haut, fut façonné de remparts, de tours et de portes. L'ensemble de cette architecture fut protégé jusqu'au milieu du siècle dernier, où la ville fut traversée de part en part par le chemin de fer reliant Lausanne à Genève. Peu à peu, le centre de gravité s'est déplacé vers le haut de la colline, avec ses commerces, ses institutions financières et ses industries aujourd'hui disparues, ou transférer dans les faubourgs extérieurs. Voilà, vous êtes installés, prêts pour le voyage. Mais auparavant, tout de même un brin d'histoire. Nous sommes allés dénicher quelques vieilles cartes postales au tabac du coin, non loin de la gare. Magnifique passé que sont ces images qui nous jettent en un clin d'œil, dans un quotidien pourtant pas si lointain que cela, et déjà tellement révolu. Le manque de communication se fait cruellement sentir dans cette région qui est le pied du Jura. Les villages importants tels que Trélay, Beugnin, Gimel, Bière et Apples sentent que le monde se fait sans eux. La grande ligne de chemin de fer, Genève-Lausanne, est bien loin et qu'il faut entreprendre une fois pour toutes quelque chose afin de rentrer de plein pied dans le développement de l'économie du moment. Tout fut dit, tout fut proposé. Une myriade de comités se mettèrent en place afin de construire une ligne de chemin de fer dite pied du Jura et qui devait relier Genève à la Sarra, voire Yverdon. Très vite, l'on constatait qu'un tel projet n'avait aucun intérêt et que des courtes distances paraissaient plus justiciables pour relier les bourgs de l'arrière-pays au réseau du grand chemin de fer. Et c'est ainsi qu'entre 1890 et le début du XXe siècle, l'on construisit une quantité impressionnante de petits réseaux ferroviaires aux écartements divers. Citons ici par exemple le Glambenien, Rolle-Gimel,
Bière Morges ou plus simplement Nyon d'Yvonne. Dans cette euphorie à Nyon, un comité cette fois-ci plus représentatif proposait en septembre 1898 un projet plus sérieux et avec à la clé une demande de concession fédérale. Ce projet proposait une ligne à voie métrique reliant Nyon à Gimel avec une éventuelle extension en direction de Saint-Sergue et la frontière française. Et du fait que Gimel fut déjà relié par une ligne de tramway à la cité de Rolles, il était donc hors de question de construire une nouvelle connexion. Et c'est tout naturellement que le 11 novembre 1912, après bien des palabres, que la Berne fédérale octroya enfin une concession de chemin de fer à voie métrique de Nyon à la frontière française, passant par Saint-Sergue. Les travaux furent entrepris aussitôt, mais malheureusement bousculés par le premier conflit mondial. Mais pendant ce temps, de l'autre côté de la frontière, l'on ne restait pas de marbre face à l'arrivée de ce chemin de fer fort séduisant. Et c'est dans la foulée, plus particulièrement le 6 avril 1913, qu'une déclaration d'utilité publique concernant une ligne de tramway Morey-Lacure fut signée par le président de la République française, Raymond Poincaré. 3 ans plus tard, en pleine guerre, le 12 juillet 1916, le tronçon Nyon-Saint-Sergue fut livré à l'exploitation. Et 1 an plus tard, ce fut au tour de celui de Saint-Sergue-Lacure. À cependant attendre 4 ans encore afin de voir la ville de Morey se relier au bord du lac Léman. Ce fut chose faite le 7 mars 1921, très exactement. Mais l'idylle franco-suisse ne dura que 37 ans. Georges Durussel, ancien cadre de la compagnie, s'en explique. Premièrement, c'était une partie au point de vue technique qui était difficile parce qu'on avait jusqu'à du 70 pour 1000 de pente. Seulement à adhérence, nous n'avons jamais eu de crémaillère. Et nous allions, après, nous passions à travers la ville de Morey, alors qu'en fait, il aurait dû passer au-dessus de la ville de Morey. Nous passions à travers la ville de Morey, et là, c'était très étroit. On avait beaucoup de problèmes avec les commerçants, les voitures stationnées sur la ligne. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quand même. Et c'était deux sociétés absolument différentes. Il y avait la régie du Morey-Lacure, qui dépendait de l'ingénieur en chef du département. Et, en fait, le directeur de cette partie française était l'ingénieur du canton de Morey. Avec ces gens, on a eu toujours de très bonnes relations parce qu'on leur fournissait le courant électrique, on leur fournissait l'entretien de tout le matériel, c'est nous qui nous en occupions, et en outre, nous devions nous occuper de la ligne de contact. Et puis, quand il y avait un déroulement, c'était encore les Suisses qui devaient aller donner un coup de main pour diriger les opérations. Il y en a eu des célèbres, par exemple, pendant la guerre, il y a eu des sabotages. Il y a eu des sabotages. Et puis aussi, c'était une construction très légère. Parce que les Français, après la guerre, puisque ce tronçon était construit après la guerre de 1914-1918, ce tronçon a été construit avec du matériel très léger. Les rails, c'était du 20 km, vous représentez, c'était presque des voies de Couville. Et là, c'est ce qui... Et l'entretien était déplorable, finalement. Cette régie du Morey-Lacure n'avait plus les moyens d'entretenir normalement le réseau. Ce qui a tué le chemin de fer en 1958, le tronçon Morey-Lacure, c'est que le conseil général du département ne voulait plus assumer les charges financières du chemin de fer. C'était fréquent en France de voir, c'était cette politique de détruire le chemin de fer. Oui, c'était cette politique française. La politique, elle venait, je crois, des problèmes qu'ils avaient rencontrés pendant la dernière guerre de 39-45. C'est que ces chemins de fer ne leur apportaient aucune possibilité de transport de troupes. Alors qu'avec les cars qui remplaçaient tous ces chemins de fer, comme ils les appelaient vicinaux, ils pouvaient après assumer des transports de troupes pour l'armée. C'était, je crois, la raison primordiale de cette suppression des chemins de fer vicinaux. Est-ce que vous avez le sentiment que les publics en France, les usagers en France, ont regretté la partie... Chez nous, oui. Chez nous, oui. Chez nous, ils ont beaucoup regretté la suppression du Morey-Lacure parce qu'il y avait pas mal de trafic entre les Rousses et Morey. Et je vous rappelle que cette liaison ferroviaire était la solution la plus courte pour transporter les clients
de Suisse romande à Paris. De retour au présent, voici un parfait exemple que ce petit chemin de fer n'a rien à envier à celui des grands. Le NSTCM est depuis longtemps déjà un RER, qui dessert des agglomérations telles que celle de la Levant. Il faut bien avouer que cette cité n'a rien à voir avec celle de la région parisienne. Le calme, la propreté légendaire, un cadre de vie. Ça y est, c'est parti. Nous avons enfin quitté les bords du Léman et la ville de Nyon. Aujourd'hui, le chemin de fer est là et bien là. Mais cela ne s'est pas passé sans heurts. Nous avons demandé à Bernard Ricli, ancien directeur du réseau, de nous brosser le portrait de la ligne. Donc carte blanche dans cet entretien bâton rompu. Alors bien évidemment, la première question, monsieur l'ancien directeur, est-ce que ce chemin de fer est-il vraiment comme les autres ? Je crois qu'avec l'histoire internationale de la ligne, je crois qu'avec la côte d'amour dont nous disposons dans la région et jusqu'à Genève, le Nyon-Saint-Sac-Moré est un chemin de fer légèrement différent des autres. Le fait également que nous desservions une région de plaine sur laquelle nous faisons un trafic urbain ou périurbain, une région de montagne sur laquelle nous assumons un trafic touristique, le fait que nous sommes un peu le trait d'union Jura-Léman nous permet peut-être de nous comparer sur le plan côte d'amour, sur le plan travail avec le chemin de fer Montreux-Bonnand-Bernois, mais pas avec des chemins de fer comme le Birap-le-Morge ou comme l'Yverdon-Sainte-Croix. Nous avons connu 19 ans d'incertitude, 19 ans de menaces, 8 commissions d'études se sont succédées qui alternativement prônaient la suppression du chemin de fer et sa modernisation. Et ce n'est qu'en juillet 1982 que le Conseil fédéral a enfin décidé le sauvetage du Nyon-Saint-Sergue, son maintien et sa modernisation. Comment vous expliquez autant d'années pour un chemin de fer? Parce qu'on savait que le progrès avançait, beaucoup de chemins de fer en Suisse se modernisaient. Pourquoi a-t-on laissé comme ça autant de temps l'incertitude? Alors le canton de Vaud, dans un premier temps, a été, dans les années 60, violemment anti-ferroviaire. C'est là qu'on a vu la suppression de plusieurs lignes, dont la ligne Lausanne-Moudon, dont les lignes Nyon-Crassier-Divonne et d'autres. Et cet état d'esprit a subsisté jusque dans les années 70. Ensuite, la Confédération avait décidé que les chemins de fer vicinaux étaient totalement dépassés. Le canton avait alors révisé sa position et la Confédération, à ce moment-là, devenait très négative. Et il a fallu vraiment jusqu'au début des années 80 pour qu'on puisse prouver notre utilité, qu'on puisse prouver que nous avions encore un gros potentiel de transport. Comment vous l'avez prouvé ? Alors on l'a prouvé en essayant d'améliorer nos prestations, déjà avec l'ancien matériel, ce qui n'était pas évident. L'amélioration ne pouvait se faire qu'au niveau de la qualité de desserte, de l'augmentation du nombre des fréquences, de l'augmentation de l'offre en deux mois, d'une démarche de prospection touristique très poussée dans le Jura français, également aller à la recherche des courses d'école genevoises, et on a pu, sans effort de modernisation, passer entre 1974 et 1980, de 270 000 à plus de 420 000 voyageurs. Mais dans cette explication, on a un peu l'impression quand même que les habitants, votre clientèle potentielle, ça a pu remuer en dernière minute quand on a senti que le coup près était pas loin. Comment vous expliquez cela aussi? Alors, je crois que ces commissions d'études n'avaient pas une diffusion publique importante et je crois que la population n'a pas pris, parce qu'elle n'était pas informée, conscience du fait que notre ligne était menacée. Et c'est vraiment qu'au moment où le couperet était virtuellement tombé, que nos dirigeants à l'époque, au début des années 70, ont vraiment alerté l'opinion publique, ont alerté la presse, et c'est à ce moment-là qu'une levée de bouclier s'est manifestée en faveur du maintien du chemin de fer. Bernard Ricli, la Confédération, les cantons, enfin tout le monde applaudit et on ouvre les porte-monnaies, et pour vous, c'est un état de désolation. La ligne est quasiment obsolète, et c'est plus une rénovation, mais c'est une construction que vous voilà. Voyez, construction. Je crois que ce que nous avons fait dans les années 82 à 88, principalement, également au-delà des années 88, s'apparentait plus à une reconstruction intégrale d'un chemin de fer qu'à une modernisation. Nous avons dû reconstruire intégralement la ligne de contact, changer le matériel roulant complètement, reconstruire plus de la moitié de la voie,
reconstruire toutes les installations des gares, améliorer ou reconstruire tous les bâtiments. Donc la ligne était vraiment en état de liquidation. Bon, là, c'est le constat. Donc, à partir de ce moment-là, il y a un calendrier qui s'installe au plus pressé quand ça se passe. Le matériel roulant, on peut y penser. Nous, Genevois, on a le souvenir extraordinaire de ces voitures avec leur fameux klaxon assez particulier, ça, il faut aussi le préciser. C'était la priorité. C'était la priorité absolue du nouveau matériel. Seulement, dans le même temps, ce nouveau matériel ne pouvait pas circuler sur notre ligne tant que d'autres équipements n'étaient pas faits, en particulier la ligne de contact et des tronçons de voie qui étaient très mauvais. Donc, il a fallu faire un calendrier extrêmement serré pour que, à Noël 85, le nouveau matériel puisse être mis en service et que nos infrastructures puissent le recevoir. Donc, ça a été vraiment un travail intensif de transformation intégrale. Ça a été également un certain travail de prospection où il fallait beaucoup avoir des contacts fréquents avec la presse pour également informer la population et quand même un cercle étendu d'usagers potentiels de ce qui se faisait. Donc il y avait vraiment cette dualité technique, promotion, information, enfin cette trilogie qui devait être mise en place en même temps. À la fin de ce travail, nous nous sommes rendus compte que nous avions un matériel performant, que nous avions une voie qui tenait le coup, que nous avions une ligne de contact neuve, mais que par contre la sécurité des usagers et des circulations était très médiocre. Nous avons dû après reconstruire une installation de sécurité avec le bloc de ligne, avec une télécommande, et cette tâche nouvelle, qui représentait tout de même une dépense d'environ 6 millions, a été faite jusqu'en 92. Actuellement, nous avons encore 2 km de voie sur les 27 de la ligne qui sont médiocres. Je ne dirais pas mauvais, mais médiocres. Ça, c'est par tranche annuelle. Nous espérons faire ça ces 4 prochaines années, donc reconstruire la voie. Et puis, nous avons également des structures d'accueil, certaines gares, dont le confort et l'accès est médiocre. Nous avons actuellement un point noir dans l'entreprise qui est le dépôt-atelier, totalement obsolète. Ne nous offrant plus la place nécessaire, n'offrant aucun confort de travail, n'offrant pas la sécurité de travail non plus. Et ça devrait être une étape urgente. Nous avons décidé d'attendre la fin des autres projets urgents, mais maintenant la reconstruction, ou en tout cas la transformation du dépôt existant, est une priorité et il est actuellement à l'étude. Eh bien, Bernard Ecly, aussi, il y a l'avenir avec le Nyon Saint-Serge-la-Cure. Vous rêvez quand même à un accès à votre réseau de manière un peu plus moderne et un peu plus, je dirais, conventionnelle au chemin de fer, non ? Tout dépend ce qu'on entend par conventionnel pour un chemin de fer. Nous avons en effet un projet actuellement et un projet qui devrait être concrétisé à très court terme. Les démarches administratives sont en cours et fortement avancées, qui est de construire une gare souterraine à Nyon au nord des voies CFF. Cette gare souterraine serait reliée à la ligne existante environ 500 mètres après la gare de Nyon, ce qui nous permettrait d'une part d'améliorer l'interface des transports CFF, Nyon-Saint-Sergue, bus de ligne, bus de ville, et d'offrir la sécurité à nos usagers qui ne devront plus traverser une route totalement saturée et qui auront un accès piétonnier totalement séparé du trafic routier depuis la gare CFF, depuis les quais CFF jusqu'à notre gare qui serait en souterrain. Vous êtes au butoir de la Cure. Ce butoir n'a pas toujours été en place comme il l'est aujourd'hui. En 58, on a donné un méchant coup de pioche pour couper la ligne. Est-ce qu'on peut s'attendre demain à ce que ce butoir soit supprimé et qu'il repart à nouveau en France ? Ça Là, serait... vous êtes en France, en l'occurrence, en plus. Ça, c'est mon désir le plus cher.
Depuis de nombreuses années, la commune des Rousses se rend compte que sa desserte vis-à-vis de Paris, qui est son gros vecteur de clientèle touristique, est assez médiocre. Elle est soit faite par le TGV sur Valorbe, avec un service de bus, mais qui est embryonnaire, avec la circulation d'un bus les vendredis et samedis soirs, lors des périodes scolaires, lors des vacances scolaires uniquement, ou par Morée, avec une ligne SNCF en très mauvais état, avec une fréquence très faible, et des services de bus qui sont très très minces, et qui sont plus axés sur les besoins scolaires que sur les besoins des usagers. Nous avons donc traversé la frontière afin de rencontrer le premier magistrat de la commune des Rousses. À ce propos, Bernard Mamet nous paraît plus circonspect quant à l'étude d'un projet. Alors, monsieur le maire, peut-on enfin rêver sur le retour des trains aux Rousses ? Si vous posez le problème en termes de rêve, je peux vous répondre oui. Mais du rêve à la réalité, peut-être que le chemin sera un peu plus long, ou la voie un peu plus longue qu'on peut actuellement l'envisager. Mais c'est peut-être dans le domaine du réalisable. Ce projet est un projet transfrontalier dont la majorité quand même se situe sur le territoire français. Ce qui signifie que c'est de notre côté, du côté des Rousses, que se situent les problèmes fonciers, le problème du tracé, de l'intégration de cette ligne dans le paysage. On voudrait bien que la création de cette structure ne défigure pas trop notre paysage. C'est le premier problème. Il y a le problème également du montage financier de l'opération, qui sera maître d'ouvrage, qui aura la compétence en matière de transport pour porter ce projet. Quels seront les partenaires, les financeurs qui viendront soutenir la collectivité des Rousses dans la réalisation de ce projet? Voilà quand même un certain nombre de problèmes qui me permettent de dire que si ce projet est économiquement pertinent dans sa réalisation, il n'est peut-être encore pas tout à fait pour demain. Bref, on l'aura bien compris, c'est pas gagné d'avance, mais gardons tout de même espoir. En ce qui concerne le retour du train à Morey, là, il ne faut plus rêver. Les besoins ont bien changé depuis 60 ans, et surtout la géographie de la descente sur la ville serait un vrai casse-tête. Alors profitons de regarder une dernière fois les quelques vestiges, encore visibles de la ligne de tram, comme aimaient à l'appeler si joliment les gens de la région. Ici, à Morey, c'est plus simple. Hormis l'auberge aux deux gares, il n'y a que les photos jaunies des livres pour nous rappeler qu'à un temps pas si lointain que cela, il y avait un petit train rouge de Suisse qui venait marquer son terminus. Comme à la fin d'un service ferroviaire, il nous faut, pour la fin de ce reportage, rentrer au dépôt de Nyon. Georges Durussel nous y attend. En guise de conclusion, il a encore envie de nous faire part de son meilleur souvenir durant ses 45 ans passés au service de la compagnie. Mon plus beau souvenir, eh bien je vous dirais, c'est quand à Noël 1985, nous avons pu mettre en service, même un peu contre l'avis de l'ingénieur qui dirigeait la construction électrique pour BBC, M. Baumann, contre son avis, j'ai pu mettre en service le nouveau matériel. Il est derrière vous ? Il est, oui, il est là.
Le 15 mai 1935, les deux premières flèches rouges entamaient leur carrière. D'emblée, ces deux machines rencontrèrent une grande popularité auprès du public. En décembre de la même année, elles furent suivies par deux autres automotrices identiques, mais à traction diesel. Ces CLM 24 101 et 102 furent acquises en vue d'étoffer l'horaire sur les lignes non électrifiées. Par rapport aux flèches rouges électriques, ces autorails se distinguaient par des capots asymétriques. Les parties mécaniques provenaient de la fabrique de locomotives de Winterthur, SLM, et les moteurs diesel à 5 vitesses de la maison Sulzer. Le chauffage de ces deux automotrices diesel était quant à lui obtenu par un brûleur à mazout fixé sur le plancher des véhicules. Après de nombreux essais, les deux autorails furent mis en service au début de 1936 sur la ligne de la Broye, Lausanne, Payerne, Lys, Soleure. La prestation journalière s'élevait à 540 km pour l'un des véhicules. L'autre autorail, quant à lui, restait en réserve. Ce service fut interrompu durant la dernière guerre mondiale, car la pénurie de carburant se faisait cruellement sentir. Devant cet état de fait, les deux flèches rouges diesel, pendant cette difficile période, restèrent quasiment en permanence dans leur dépôt. Après la guerre, l'automotrice 101 est revenue sur la ligne de la Broye. Quant à l'autre, la 102, elle fut attribuée à celle de Nyon-Divonne. Au début des années 50, la plupart des lignes secondaires bénéficiaient de la traction électrique et il n'y avait plus guère d'emploi pour les automotrices diesel qui ne pouvaient en outre circuler qu'isolément. En 1951 et 1953, il a été simplement décidé de les électrifier aux ateliers de Zurich tout en gardant la boîte à vitesse, mais avec seulement deux rapports de transmission. Ce qui permettait d'atteindre les 75 et 110 km/h. C'est alors que ces machines furent aussi dotées de tampons et d'attelages normaux afin de pouvoir remorquer des wagons légers. Malgré leur transformation, ces véhicules, trop faibles en puissance et en capacité, subirent bientôt le même sort que les autres automotrices électrifiées. De moins en moins incorporées dans les services réguliers, toutes ces flèches rouges furent attribuées à des courses spéciales pour des sociétés et remises aux dépôts de Bellinzone, Holton et Lucerne. Avant de s'éteindre définitivement, ces automotrices connurent pourtant encore quelques instants de gloire courant 1964, année de l'Expo nationale. Cet événement nécessitait pour les CFF une mise à contribution d'un maximum de matériel roulant. Les ex-diesel assurèrent alors des services omnibus réguliers sur l'ancienne ligne de Auenstein et sur celle de Soleure à Herzogenbursee. Pour les autres, elles roulaient sur certaines lignes du plateau où elles remorquaient fréquemment une voiture légère. Malgré les prévisions pessimistes, ces flèches rouges ont vaillamment rempli leur mission. Certes, il ne fallait pas être trop brusque avec ces engins qui avaient tendance à se cabrer dès qu'ils n'étaient plus traités avec tout le ménagement qui leur était dû. Pourtant, le glas allait sonner pour un certain nombre de ces automotrices. À la fin de l'année 1964, avec la fermeture des portes de l'Expo, elles furent démontées dans les ateliers principaux de Zurich afin de récupérer diverses pièces de rechange. Puis les caisses vides et leurs bogies furent expédiées à Holton pour y être définitivement démolies au début de 1965. Quant au sort des trois dernières flèches rouges, l'une a carrément viré au bleu pour la compagnie OEBB, et les deux autres furent attribuées à la postérité, et ce, pour notre plus grand plaisir. Thank you.
Si on réactive aujourd'hui la ligne du Haut-Bugey, la ligne des Carpates, et on ne peut que s'en féliciter, il y a une autre ligne que l'on souhaiterait, ou tout du moins qu'une association souhaiterait voir réhabilitée, remise en service, c'est la ligne du Tonkin. Alors, tout de même, petite explication sur la ligne du Haut-Bugey. Attendez, vous voyez ici ça, vous la connaissez, donc ça c'est la gare de Bellegarde. Et les trains qui empruntaient la ligne du Haut-Bugey partaient de la ligne de la gare de Bellegarde, refoulaient jusqu'à un poste d'aiguillage qui est là-bas, qui était là-bas au bout dans la courbe, pour réattaquer la ligne du Haut-Bugey qui démarrait par une rampe, vous la voyez ici, la rampe de 18 pour 1000. Donc ça, c'est le vestige de la ligne du Haut-Bugey. Bon, vous savez que cette portion-là n'existe plus, puisque maintenant, le raccordement se fera directement à l'aide d'un viaduc qui va de Genève et se raccorde à la ligne du Haut-Bugey. Alors revenons à la ligne du Tonkin. Alors petite précision, tenez, regardez bien sur ce plan, de quoi parlons-nous? Nous parlons de cette portion qui va d'Évian à Saint-Gigold, à la frontière suisse. Vous voyez, cette petite portion de voie ici qui manque permettrait d'avoir une nouvelle liaison entre la Suisse et la France en passant par le sud du lac Léman qui viendrait, disons, soulager le contournement par Lausanne, par le nord. C'est ce qu'on appelle la ligne du Tonkin. Et pour ça, il y a une association très active qui milite pour la mise en route. Alors, vous êtes le président de l'association. Pourquoi d'abord cette appellation « ligne du Tonkin » ? Est-ce que ça a un lien avec le Vietnam ? Au départ, le comte Alfred Valette voulait rejoindre le Tonkin. Peut-être qu'il y a un lien de cause à effet, mais aussi la partie de la ligne du Tonkin qui traverse le Valais était dans une zone marécageuse qui faisait ressembler aussi au Tonkin. Donc cette ligne est désaffectée depuis combien de temps ? Depuis 1999, la ligne donc est fermée. Il y a eu un trafic touristique de 1986 à 1999 dans l'espoir de voir la ligne réouvrir au trafic voyageur. Mais malheureusement, vu la vétusté de la voie, ça a été fermé par la SNCF. Alors, vous souhaitez que l'on réactive cette ligne, c'est-à-dire qu'on procède bien sûr à des travaux. C'est ça, c'est pour ça que vous militez. Voilà, les travaux donc ont été devisés déjà en gros à 50 millions d'euros et permettraient quand même la liaison entre la France et la Suisse et surtout un service voyageur, parce qu'à l'heure actuelle, on a le lac, la voie ferrée et la route, et sur ces trois possibilités, il n'y a que la route d'utiliser. Donc il faudrait pouvoir répartir le seul trafic routier sur ces trois possibilités. Et là, tout le monde pourrait respirer. Alors, est-ce que l'on vous prend pour, disons, vous avez fait vous avez répondu, j'imagine, vous faites des demandes, vous allez à la préfecture, vous tirez la sonnette de la SNCF, de la région, des Suisses également, qui sont intéressés par le projet. Comment on vous regarde avec un regard amusé, en vous disant, oui, enfin, vous êtes des bricoleurs, ou vous rêvez, ou il y a peut-être anguille sous roche. Alors, au début de notre association, en août 2005, on parlait d'utopie. Mais maintenant, l'utopie commence à tourner vers le rêve, et le rêve va devenir certainement réalité. Parce que ça va dans le sens, disons, du Grenelle de l'environnement et de l'accélération ou du redéploiement du chemin de fer en France. Et surtout, les Suisses sont demandeurs de cette liaison par le sud du lac Léman. Exactement. Au niveau ferroviaire, la Suisse n'a plus rien à nous démontrer et on s'aperçoit qu'ils sont performants. C'est d'ailleurs le premier pays au monde qui utilise le ferroviaire. Et donc, notre ligne du Tonkin, justement, pourrait permettre des liaisons franco-suisses permanente de Genève jusqu'à dans le Valais ou autre, et comme l'a dit récemment le Conseil du Léman aussi, faut penser des liaisons Bellegarde-Sion. Dernier détail, votre association, vous êtes combien dans cette association et comment vivez-vous? Quelles sont vos sources de revenus? Alors à l'heure actuelle, on a une centaine de membres, plein de collectivités, donc toutes les communes riveraines, la communauté de communes du Pays d'Évian, la région Rhône-Alpes nous soutient fortement. Je pense qu'on devra arriver quand même à tenir les projets. Dernièrement, nous avons tenu notre Grenelle, le Grenelle du Tonkin. Et les dates de 2010 pour le trafic touristique ont été maintenues. Et 2020 au trafic voyageur maintenu aussi. Donc l'espoir est là.